Aurélie Resch, auteure et journaliste, elle écrit des livres, des documentaires et aussi des articles. Les voleurs de couleurs et son premier album jeunesse, c'est une quête de Graal et je vais vous montrer, c'est illustré magnifiquement par Marie-Ève Tremblay. I don't know if you'll be able to see it in the back of the room, but that's not very helpful, is it? Now you can hear me in the back of the room. Aurélie brought in a very large copy of her book, just to give you a hint of the magnificent illustrations, the style of illustration inside, by Marie-Ève Tremblay. So thank you for that, and let us welcome, please, Aurélie. Il était une fois un petit village très triste. En effet, tout y était gris et terne, et rien ne venait égayer le visage des gens, ni colorer les jardins devant les maisons. Quel contraste cela représentait avec l'éclatant arc-en-ciel qui s'étirait chaque matin au-dessus de la colline. Le paysage allait cependant bientôt changer, et cela grâce à l'intervention d'un petit groupe d'enfants qui s'ennuyaient de tant de grisailles. Un jour, ils se rassemblèrent et décidèrent de prendre les choses en main. La plus jeune du groupe, Cassiopée, celle qui avait le plus d'énergie et puis son franc-parler, proposa « Vous savez quoi? Là-bas derrière, il y a un arc-en-ciel qui tous les matins s'étire et déploie ses couleurs. Je suis sûre que si nous en volions une, cela ne gênerait pas grand monde. Lui en a tellement qu'il ne s'en rendrait pas compte, et nous, ça changerait certainement notre quotidien. » Les amis acquiescèrent, et à l'aube, ils quittèrent le village endormi pour se rendre sur la colline. Arrivés au pied de la colline, après une bonne marche, ils attendirent que l'arc-en-ciel se lève. De longues minutes passèrent, lorsqu'enfin, celui-ci, encore tout ensommeillé, se leva et déploya nonchalamment ses belles couleurs au-dessus des enfants. Pour eux, c'était féerique. Ils prirent la première couleur qui leur frôlait la main. C'était le bleu. À eux quatre, ils la firent sortir du rang, la glissèrent dans leur arrosoir et se hâtèrent de rentrer chez eux. Il était temps, l'arc-en-ciel se réveillait. Mais que faire de cette couleur maintenant qu'ils étaient arrivés au village ? Bientôt, les habitants sortiraient dans la rue et ne tarderaient pas à les voir. Alors, comment allaient réagir les grandes personnes? Les enfants se précipitèrent et jetèrent le bleu dans les fontaines. Aussitôt, l'eau se teinta de turquoise. Quelle différence avec la veille! On ne voyait plus que ce bleu dans tout le village. Ce bleu magnifique fut bientôt l'unique objet de conversation des habitants et l'irrésistible attraction du village. En fait, on passait bien plus de temps auprès des fontaines qu'au travail ou à la maison. Thank you very much. Merci beaucoup. Our second nominee is James Fitzgerald for his book, What Disturbs Our Blood. Now, I live part-time in London, Ontario, and if you know London, you'll find in that city Banting House and the Flame of Hope that burns continuously to honor Sir Frederick Banting and his role in the discovery of insulin back in 1922. This book takes us back to that time, an era of groundbreaking work in the field of public health, and introduces us to another medical pioneer of the day, Dr. John Fitzgerald. The book is at once biography, social history, and memoir, in that it lays to rest a family's secrets. This is the second novel for James Fitzgerald. His first was Old Boys, the powerful legacy of Upper Canada College. It revealed, you remember this in news coverage, I'm sure, the sexual abuse of boys at the elite school led to three former teachers being charged and convicted and launched a class action lawsuit. That is impact. Please welcome James Fitzgerald. I begin with a short epigram from Sigmund Freud, who said, quote, "We have rated the powers of children too low, and that there is no knowing what they cannot be given credit for," unquote. On a bleak November day in 1953, my mother, a thwarted artist turned reluctant housewife, snapped the cold shutter of her camera and captured the image of my three-year-old self, wrapped in a hand-me-down corduroy coat with velvet collar. My charismatic, witty mother was a shapeshifter. I was an emotional weatherman, my head tilted like a radar dish, hyper-attuned to her moods. Some believe all writers write for their mothers. Decades passed before I began to plumb the meaning of the worried yet curious expression of the boy in the photograph, haunted by what he knows and is coming to know. Why did the nightmares of my childhood
slow suffocations, falling trees, flashing knives, routinely rumble through my unconscious like clues to an unsolved murder. What was I trying to figure out? What could I possibly make of the electrical storms that raged in my head? Even as a toddler, was I sensing that the Gothic three-story house where I slept was built by my long-dead grandfather, a driven, eminent doctor of whom no one spoke? Was I already interpreting the silences that buffered a family history I was made to feel I must never question? And so I plunged into the hall of mirrors that is this book, men pushed by troubled and withholding fathers, and differently troubled and withholding mothers, into extraordinary accomplishments in the world that in the end they can no longer sustain. My recurring dreams, like cave paintings, guided me to the Pandora's box of repressed secrets. For of course there were more than one. I learned that the only way out of the haunted house of my childhood was to return to it, to struggle year by year to inhabit the alien skins of my father and grandfather. Comfort comes from validation. From the very beginning, the dark dreams and intuitions of the quizzical three-year-old boy in hand-me-down clothes, framed by his mother's distancing eye, embodied an uncanny form of knowing and ultimately healing. Truth will out, and there is no knowing what a child cannot be given credit for. Thank you. Estelle Beauchamp, et son livre s'intitule « Un souffle venu de loin ». C'est l'histoire d'une petite fille de 7 ans qui s'appelle Mirka, qui arrive au Canada comme bien d'autres enfants réfugiés au début de la Deuxième Guerre mondiale. Le roman raconte la difficile adaptation à son nouveau milieu et à sa nouvelle vie. Estelle est l'auteur de 3 autres romans, accueillant Estelle Beauchamp. À ton tour, Mirka, chante-nous une chanson qu'on ne connaît pas, une chanson de ton pays. Les yeux baissés, elle a froncé les sourcils et resté les bras ballants, muette. Puis, peu à peu, une mélodie plaintive, insistante, s'est élevée. Par moments, Mirka perdait le fil des paroles, fredonnait la musique, puis les reprenait. Que racontait la chanson dans une langue inconnue? Il me semblait qu'elle évoquait le vent, la route, des soupirs, des rêves et des blessures, l'espérance et le goût amer des larmes. Était-ce la chanson qui pleurait ou Mirka? Jusqu'ici, les malheurs dont je voulais la sauver étaient demeurés abstraits, les malheurs de la guerre. Dans mon esprit, la guerre était imprécise, une chose vague, un terme auquel j'accolais des notions de bons et de méchants, d'aventures, d'espions, de coupons de rationnement, d'orphelins, d'un oncle en uniforme. Qu'en savais-je vraiment? Ce soir-là, Mirka m'est apparue à la fois plus lointaine et plus proche qu'avant, auréolée d'un passé mystérieux, d'expériences que je ne pouvais soupçonner, inatteignables. En même temps, je ressentais sa tristesse, quelque chose en moi vibrait à l'unisson, une détresse soulevée par le souvenir de vieux chagrins, ma peur du noir, mon ennui quand maman s'absentait, ma crainte de lui déplaire, les humiliations subies dans les jeux d'enfants. Je pleurais, j'aurais voulu prendre Mirka dans mes bras et la bercer. La chanson terminée, elle nous a regardés en silence, les yeux secs. Brusquement, elle a couru à notre chambre, s'est jetée sur son lit, la tête enfouie pour cacher ses larmes. Je lui ai touché la main et s'est laissé faire. Maman s'est approchée, s'est assise au bord du lit, lui a caressé le bras doucement. Mirka a secoué la tête, l'a enfoncée dans l'oreiller. « Je vous déteste, je déteste ça ici, je vais m'en aller, je suis en prison, je vais mourir. » Merci.